Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidosol 666 pour l'épisode 13 de Max Payne 3. Et on est parti, donc hop, j'ai mon Glock, j'ai la radio mais j'ai rien compris à ce qu'il disait. Et j'ai vu un type. Et on va voir une cinématique. En fait c'est vrai qu'il y a un petit côté Uncharted dans la façon c'est présenté, beaucoup de cinématiques, pas de temps de chargement entre les chapitres. Transition entre chapitres pendant les cinématiques généralement. Je dis pas non plus que c'est du plagiat, hein, mais je dis que ça m'avait fait penser. Bon, ils ont pas entendu la porte. Tais-toi. Attends, cogno. Attends quoi? Dondé lobisté, où est-ce que tu l'as vu? Mais évite pas tout! Il est pas mort lui? Ouais, moi je suis mort par contre. C'est dégueulasse parce qu'ils nous mettent face à l'ennemi, mais d'habitude ils nous mettent un ralenti dans ce genre de situation. Ça, c'est là. Ah non, aussi ce matin, quand on était dans le sorte de cimetière de bateau, ils avaient pas mis le ralenti non plus. Je me suis pris le mur de plein fouet quoi. Oh, magnifiquement bien placé. Ça, c'était scripté ou c'est pour que je meure? Ah ouais. Non, je veux pas. Ouais, dépêche-toi, Max. J'ai aucune idée d'où aller. C'est un moyen de dire que je vais mourir. Ah, c'est là. Je sais pas, je tape pas de triangle, ça sert peut-être à rien. Non, ça sert à rien. On sait jamais, hein. Bah, il y en a un autre. D'ailleurs, depuis Boudou, il y a une explosion, quelqu'un a tiré dessus? Pas moi en tout cas. J'ai utilisé un revolver alors. C'est pas comme si je vais utiliser une mitraillette et que je tirais de partout. Salaud! Dans le dos qu'ils ont essayé de me prendre. Mais je crois que quand on plonge, de toute façon, on est invincible. Alors. Et ouais, Max, la drogue, c'est... Mais... Ah d'accord, ça s'est ouvert. Waouh! While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Tu parles d'un garde du corps. Il m'a fait peur l'abruti. Oh, j'étais là, je mettais une balle dans le truc, je tirais. Je me faisais un mec à chaque fois, c'était un peu ultime. Donc là, hop, je vais passer au même endroit, j'ai pas envie de me faire avoir d'off. Et là, on plonge pour pouvoir recharger d'une manière purement économique. Regardez les munitions, hop, c'est rechargé. Là, il y a une arme en or, je l'ai vu, je la prends. Oh! On a un super sport. Je sais pas, mais ça va être un bon fusil à pompe, ça, parce que je pense, vu le nom, ça va être les fusils à pompe de précision pour le tir sportif, justement. Je crois qu'il est mort. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. T'as bien de la chance d'avoir cuvé tout l'après-midi, hein. I had to save some valuables. Non, ça c'est une cinématoche. Je voulais juste passer, excusez-moi, d'accord, ça ne servait à rien.
Alors. Ah mais il est rasé, c'était ça la différence qui me frappait. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Ouais, tu m'étonnes. Something on the boat had attracted the sharks. J'en ai bien l'impression. J'ai le contrôle. Ah, j'ai pas de ralenti. Maintenant, j'ai de quoi sauter. Dommage, j'avais trop géré jusqu'à ce que lui il soit là et il décide de me tuer. En tout cas, de me faire bien mal. Après que j'ai sorti de New Jersey, les choses ont flared up again between the Punchinellos and the DeMarcos. Punchinello, c'est les ennemis du 1 et du 2. Enfin, c'est une famille qui revient souvent dans le 1 et le 2. C'est pas vraiment les ennemis, c'est pas vraiment les alliés, c'est une famille qui revient, quoi. Alors que les DeMarco, ça me disait rien. Par contre, j'aime bien la notion d'indice à trouver, etc. Ça, c'est sympathique. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcello was making the most of her. I don't want to think about it. Bah, y a pas quelqu'un qui m'a crié dessus tout à l'heure, ce qui fait que je suis allé dans les chambres pour ça justement. Oh, ça... Ils sortent nulle part. Ah oui, d'accord. J'ai eu de la chance que monsieur était en train de faire ses besoins et donc n'était pas avec ses potes pour m'attaquer. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Bon, on va pouvoir continuer. Quel double chat. Ah, je l'ai raté, mais lui m'a pas raté. Oh, pleine tête. Hop. Oh non, plus de balles. C'est ça l'inconvénient quand on est avec une arme qui a pas beaucoup de... Ah, on entend le bruit de mon... Ah, j'espère qu'on n'entendra pas à chaque fois que je tire. J'ai jamais remarqué. D'accord, on entend à chaque fois que j'appuie sur R2. Enfin, ça dépend comment j'appuie en fait. Donc eux... Oh, je l'ai foiré, mais magnifiquement. J'aime bien être comme ça, là, je suis allongé, les petites pieds en éventail. Et il est vraiment trop puissant, ce flingue. T'as comme j'ai... Franchement, vous pouvez pas savoir... J'irai pas à quel point, mais j'ai envie de tester le multi, parce que c'est... Limite, le multi, c'est une aventure solo, mais en multijoueur, je sais pas comment dire. Mais c'est un MMORPG, Max Payne. T'as tes bandes, t'as... Enfin, je pense que ça peut être pas mal, le multi. Après, ça reste à voir, mais... On fera cette vidéo, je pense, cet après-midi, parce que là, je vais pas tarder à finir le jeu. Oh, j'ai anticipé, magnifique.
Je crois que je peux me donner. Je m'étonne. Ah, la musique d'ambiance de ce niveau est vraiment énorme. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. Fuck. Non, je crois que là j'ai fait l'erreur de. Ouais. le plongeon, je l'ai pas fait exactement dans l'angle qu'il aurait fallu le faire. Et je suis mort. C'est juste hardcore quoi. D'accord, je suis mort. Bon, je vois comment je sais comment je vais tenter de le passer celui-là. Comme ça, hop, on plonge bien dans la bonne direction. Et on recommence. Ah, dommage, j'ai failli le passer sans me faire toucher. Si il avait bien voulu passer la porte. Ça, c'est une chaussure. Sur le coup, j'ai cru que c'était une arme en or. Enfin, une partie d'arme en or. N'empêche, l'impact des balles, c'est énorme. Hein. C'est vachement réaliste. Puis, on voit que c'est pas... Que c'est pas pré-programmé quoi, c'est vraiment l'endroit où on a tiré. C'est vraiment un travail de taré. C'est un jeu Rockstar quoi. Donc moi c'est parfait, je suis un gros fan des deux premiers Max Payne, je suis un fan de Rockstar en général. Je crois que à partir de GTA 3 et à part Red Dead Revolver, j'ai fait tous les jeux Rockstar qui existent. Hein. Gros lag, gros lag. Ah, le jeu a frisé. Bon, ben, ça devait arriver, je pense. Ça devait arriver depuis le temps qu'il avait pas fait, que c'est un jeu quand même qui demande beaucoup et que ma console n'est pas de la meilleure génération. Je vais stopper l'enregistrement et puis je vais reprendre, je pense, après manger. Ah bah, ça a repris. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors après, est-ce que l'enregistrement n'a pas lâché? Je sais pas. Alors non seulement ça a repris en bonne et due forme, sans lag, quoi que ce soit. Mais en plus, j'ai réussi à m'en sortir vivant. Et heureusement que j'avais appuyé sur start. Hein. Je l'ai tué. Enfin, en tout cas, je l'ai touché. Non, je l'ai pas tué. Oh. Attendez, mais j'ai pas fini de chercher toutes les armes que je voulais, moi. Ça, c'est le Fal, par contre. Ouais, j'arriverai jamais à faire différence de ces deux armes. Ah, merde, c'est lui qui a gagné. Allez, je termine cette séquence et je ferai une petite pause au cours de l'épisode. Je mangerai et puis je reviendrai. Je voulais plonger, mais il a pas voulu, Max. Ouais, je me disais bien que j'avais pas récupéré. Bon, de toute façon, je joue aux boules. Dans la tête. La deuxième balle, c'était pour être sûr. À mon avis, tu te prends une balle de boule dans la tête. Non, mais c'est pas vrai. En fait, si tu t'y attends pas, t'es mort. Donc quoi, tu te prends une balle de boule dans la tête, t'as peu de chance de t'en sortir. Y'a pas d'antalgique dans le coin? Visiblement non. Attendez, je sais ce qu'il faut que je vérifie. Dans ces coins-là, généralement, il y a des trucs. Non, y a rien. Putain, mais c'est horrible! C'est horrible.
Vas-y, c'est bon, tu peux t'arrêter. Oh, je vois rien, je me fais descendre, j'hallucine. C'est pas juste, ils sont en position de force par rapport à moi. Putain, le premier, à chaque fois, il résiste. J'ai pris la moitié de ma vie en dégâts. Hop. D'accord, y a rien, c'est clean. Y a des magnifiques impacts de balles de partout. Voilà. Je me disais bien qu'il en restait un vivant. Oh, je l'ai eu. Oh, tire à la... Tire au jugé. Passe 15. Ah oui, je l'ai en or, celui-là. Bon, petite pause, je vous dis bah, à tout de suite pour la suite de l'épisode. Et nous, on voilà reparti. Alors, on y repart. Donc, on a le Space 15, je sais pas ce que ça fait exactement. On l'a vite fait essayer tout à l'heure dans le cimetière. Oula, j'ai bien mangé, moi, ça s'entend. I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover. I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. We're here. You know your way around. You're using that building. D'accord. Ah, j'ai quand même mon Space 15. Alors bon, à cette distance. Hein ? Putain, il m'a tiré dans la bouche. Quel dégueulasse. D'accord. Comment je vais là-bas ? Ah bah j'y vais comme ça. C'est de la merde ce qu'il y a. Non, mets ta tête juste pour voir. Purée, j'ai du mal à me faire lien. Lui, il m'a fait mal, je crois. Mais non, je voulais voir ce qu'il y avait dans le camion. Putain. J'ai chopé des trucs, je sais pas d'où. Des antalgiques. Oh! Au moment où je me le fais, je suis deg. Oh. Mais... Vous allez vous la fermer, oui? Je suis déjà mort. Wouh, ça recommence bien, là. Mais avec le ventre plein, c'est plus dur. Enfin, c'est la digestion, on n'est pas très concentré. Allez, rentre-toi. C'est pas vrai. Oula, il y a eu un petit bug avec l'arme. C'est quoi cette arme? Ouais, pas fan.
D'accord, et avec Select, encore une fois, je choisis si j'utilise la lunette ou pas. Ouh, je l'ai poudré. Ah, oh, j'ai le hockey, c'est chiant. Ça, c'est... Mais genre, c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant là. Maintenant, j'ai plus de space 12. Space 15, pardon. Ça, c'est dur à gérer, ça. Oh, je suis mort. Ouais, c'est trop dur. Non, mais là, ce coup-ci, je vais pas aller voir ce qu'il y a là. Ah si, mais il y a des antalgiques. Donc on va aller voir juste pour les antalgiques. Je sais pas. Ouais, là, je récupère des antalgiques quand je vais à droite du camion. Fait chier. Il y en a un qui allait sur le... qui a traversé le canal. Ouh, je l'ai direct visé, direct... Ah, lui aussi, là, il m'a tiré dessus à ce moment-là. Mais en fait, dès qu'il y a un bullet time, pour quoi que ce soit, on est invincible, j'ai l'impression. Ma foi, c'est pas plus mal. Oh, il m'a trop... Hein ? Oh, c'est dégueulasse. C'est-à-dire, ouais, il m'a trop bien ajusté, le mec. Comment il fait pour me toucher alors que moi je peux pas l'avoir? Oh, avec la dernière balle. Bon, après on va passer à autre chose. Ça c'est pas mal, petit tir suppression. Voilà. Comment il sait tout ça? C'est vrai que c'est louche, il s'est rendu compte de rien parce qu'il était en plein, il avait la gueule de bois. J'ai envie de dire, bien essayer ton esquive, mec. Il est trop bien ce fusil. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Ouh, joli petit réflexe en pleine tête. Genre de choses qui pourraient être sauvées en mode multijoueur. Non, attendez, je vais aller. Non, je suis passé trop près de la porte pour activer la cinématique. Oh, Kawabanga! Oh yeah! Il tire tout sur le mec devant moi. Le mec il sera tellement mort qu'il aura plus de sang. Ah mais c'est un Desert Eagle que j'ai? Ok. Non mais c'est bon, je crois qu'on peut arrêter là, il y a plus personne. Désert, attends. Ah, j'ai plus le fusil à pompe. Et je me suis fait tuer dès que je suis arrivé. Donc je dois refaire la scène au ralenti. C'est dommage, le fusil à pompe était vraiment abusé quoi. Tiens, c'est con, mais je viens de réfléchir à un truc. À chaque fois, au lieu de faire le rendu tout de suite et prendre le risque de perdre mes données. D'accord, j'ai eu un trophée, je pense, parce que j'ai fait vraiment. Genre, j'ai tué tout le monde en étant dans la tyrolienne, un truc comme ça. Ouais, au lieu de perdre mes données à chaque fois avec Audacity, bah je vais juste enregistrer sous un projet. Puis comme ça, je reprends le projet et je prends pas le risque. Parce qu'à chaque fois, j'ai pu récupérer, mais c'est pas sûr à 100%, on va dire. Vous avez vu ce que j'ai vu par terre là? Ah merde, je me suis fait tuer avant. Il y avait un boule. Alors si j'ai Magnum dans une main, boule dans l'autre. Enfin Magnum, quand je dis Magnum, j'entends Desert Eagle. Hop. Ça c'est une arrivée quoi. Ah. J'accepte. Oh. T'as eu peur, hein? Tiens, ça t'apprendra. Tiens, j'ai pris un peu de dégâts, je sais pas d'où. Oh, bien vu! Je l'ai eu. Ça, c'était le dernier d'ailleurs.
C'est bien ça, ça s'appelle l'anticipation. Hop. Et là. Non, mais il a pas acheté la bonne arme. Hop. Et là. This is Max Payne. J'ai repris le fusil à pompe, alors en fait je m'en fous des deux armes qui peuvent chacune exploser la tête de quelqu'un. J'ai le fusil à pompe. On est dans un stade de foot ici? T'es malade. Tu es fada. Je savais pas qu'il me restait encore des antalgiques, j'ai dû les récupérer à l'instant. Putain, même à cette distance, il one-shot le truc quoi. Enfin, pas nécessairement, mais il a... Là il a... voilà. Putain c'est puissant, sur le live ça va faire des dégâts. Vas-y esquive-le, ouais joli. C'est juste pointé au mauvais moment le mec. Là-dedans on doit bien avoir un morceau d'arme en or. Même pas un indice, rien. Bizarre. Oh. Je vais exploser les jambes. Ah là, il y a des analgésiques. Antalgique. Pourquoi j'ai envie de dire analgésique à chaque fois? Alors sinon, c'est des analgésiques, à chaque fois je dis antalgique. Ou sinon, analgésique, ça n'existe pas. Antalgique, ça existe, je crois. Ok, ok. Bon bah finalement. Il y avait un truc qui écrit triangle. Non, j'ai rêvé. Ah, examiner le mannequin. Ah, il y a encore des gens. Oh, le tir réflexe. Ça l'a calmé, je crois. J'ai repris des munitions, c'est génial. J'adore cette arme. I blocked out all my questions. All I thought about was getting... Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter. For what it's worth. Sympa. Hop. Par contre, j'ai pas du tout trouvé de truc en or. Ça a l'air d'être bien planqué. Oh mon dieu. Magnum dans une main. Desert Eagle. Bah, on l'a retrouvé, Daphné. De quoi il parle? Et l'autre il fait pas la remarque quoi. C'est, il pensait pas. C'est eux qui les a eu, c'est lui qui les a vendus ouais. Hein? Je pensais pas que ça se passait comme ça. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Bonne chance. Little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to loan. I thought the Bronco
Dinos were rich. Hanigo, the other two, they did well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. Je suis absorbé par la conversation. Marcello was an idiot. It is true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know. Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America. Failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty. On va tous les buter. You think guys like that can't be bought? No, but... But nothing. Probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You? You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Ouais, c'est clair, on a aucune preuve que... Let's take a drive, Max. Want to do some good? Hmm? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. What? That incident at the favela today. Some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw. But no captives were ever booked. Probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Cachafre? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max. Oh, yeah, ça va être bon, ça. Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there. Large groups under armed guard, but it isn't a police station. No one comes out of there. Just go to bust the joint, get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Ah, la musique est pas mal. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Chapitre 12, il y en a 14, on a bientôt fini. Et donc on va se laisser là, dès que j'ai la main, bien entendu. Le silencieux. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Donc bon, bah c'est là-dessus que je vous dis à la prochaine, hein, pour le prochain épisode, avec un silencieux fait main, hein, la bouteille en plastique et le scotch, un classique des films d'action. Si vous avez vu Sniper Elite, il le fait avec un, je crois que c'est un 22. Bon, je vous invite à voir Sniper Elite, un excellent film, hein, si vous aimez les snipers, c'est vraiment excellent. Allez, à la prochaine.